Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Président Jovenel Moïse fait une intervention devant institution qui relève Conseil de sécurité des Nations Unies qui à l'intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, c'est une plus grosse instance que l'ONU a gagné et le Conseil de sécurité a nous connaît gagné 15 pays là-dedans et pas des moindres, les États-Unis, la France et la Russie, comme si c'était ça ou seulement, donc la Chine, ok, donc plus gros pays qu'on connaît et le Mexique, nous fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Maintenant, si clarification me l'a voté, dans un pays où on a fait critique, que le président Jovenel Moïse pas doué à devant et des ambassadeurs qui, pour eux-mêmes, pas gagné équivalence ou bien pas gagné proportionnalité. Le président Jovenel Moïse ou bien n'importe qui président d'Haïti qui allait devant la Chambre des députés ou bien devant l'Assemblée nationale qui font discours, on peut dire aussi entre le président, le sénateur, le président, le député, ou t'as dit pas gagné proportionnalité, mais quand le président est allé devant l'institution parlementaire, ça c'est autre chose. Le président allait devant le Conseil de sécurité, c'est autre chose, c'est pas devant chaque ambassadeur que le président allait. Et le président, en tant que chef diplomatie haïtienne, dans tout pays sous la terre, président, ou bien non que dans l'autre pays, côté organe, que y aurait les rois et que y aurait les premiers ministres, eh bien, ils ont responsabilité pour que eux-mêmes gèrent les relations étrangères, pays avec l'autre pays sous la terre. Donc, président Jovenel Moïse, il a une responsabilité. Je voulais attirer attention tout auditeur intelligent et radio-télévisé qui attend de nous là, c'est que le président Jovenel Moïse, il fait toujours sa parole. Tout le monde qui remet porter parole. Monsieur, faites-lui confiance pour que le porter parole. Parce que vous avez songé au niveau du palais national, tu gagnes un porte-parole là, qui t'a gagné environ 4 personnes là-dedans. Eh bien, et palais a depuis un certain temps, il réduit, d'accord, dit, à question porte-parole là, il élimine question porte-parole là. Parce que bon président qui veut toujours adresser lui à peuple, et bon président qui veut toujours adresser à tout le monde qui est intéressé à lui. Maintenant, et deux mouns qui a cherché de points de critique par rapport à l'intervention ça, comme quoi l'intervention a été trop longue, alors que nous connaissons le président qui a monté sous tribune Nations Unies, et si nous avons été avec Fidel Castro, ok? Donc, c'est Castro qui compte camper, qui fait 4 heures de temps à parler, même si ce n'est pas devant sous tribune Nations Unies. Mais Castro compte prend plus de temps que le temps que le président Jovenel Moïse s'est mis pour exposer, pour présenter la situation sociopolitique pays d'Haïti, d'Haïti, situation économique tout pays là, je veux dire. Moi, dis ça, il y a deux mondes qui fait semblant ou pas comprendre que le président intervenu devant les Nations Unies à travers le Conseil de sécurité pour que le président présente la situation. Mais il y a deux mondes qui ont critiqué, c'est surtout monde qui sont dérangés. Parce que je dis à ce bon, on perception qu'il y a 20 de un mandat qui est fini, de un président qui a pris les de facto. Donc, là, il y a eu des tribunes internationales qui accueillent le président Jovenel Moïse, qui, en quelque sorte, continuent à reconnaître que le mandat de Jovenel Moïse a fini le 7 février 2022, ça dérange plus d'un. Et c'est normal qu'il y ait des critiques à bois catabrante, vous comprenez, sous intervention président, sous posture président, sous parole président, sous cette affaire de le président a parlé devant des ambassadeurs. Donc là, et c'est surtout moun qui dit on va connaître le président, et ça a venu tellement déranger, et qu'on y a aujourd'hui, intervention président devant le Conseil de sécurité, c'est Yon Ndakadzou, maintenant parole depuis lundi, jeudi à mercredi, qui continue à rester dans toute discussion, dans toute présentation, dans tout débat au niveau des médias. Et encore, aujourd'hui encore, Jovenel Moïse a continué à faire histoire. Nations Unies sont organisation qui regroupe 192 pays sous la terre. Les gains là-dedans
un paquet d'institutions spécialisées et qui occupaient de dossiers économiques, sociaux et politiques dans le monde là. Par exemple, dans le pays, nous, Nations Unies, on paquet d'agences. UNICEF fait partie des Nations Unies. UNUD fait partie des Nations Unies. BINU, son mission spéciale, vient aider nous. Donc, bon ensemble d'agences. Et, Ligiongo, on a dit Parlement là-dedans, on a dit le Parlement, mais c'est pas vraiment non, mais c'est pour qu'avons l'idée de ça, ça veut dire Assemblée Générale là. Mais puis une entité en dans Nations Unies, c'est dans le Conseil de sécurité, c'est la grosse décision qui vient de leur prendre. Et mon cap coordonné travail Nations Unies, son secrétaire général. Et ça travaille l'élection que vous mettez dans tête Nations Unies. Mais les grosses décisions y apprend et sans dans Conseil de sécurité. Donc, il y a une réunion Conseil de sécurité sous Haïti. Et côté président, on discours en dans Conseil de sécurité. Donc, si vous-même, vous pas de suivre discours comme étudiant, c'est, depuis qu'il y a, vous commencez à participer dans le bagage, ça, parce que demain, vous-même, capitaine de la, comme jeune, c'est vous pas le leader de demain. Donc, pour qu'un leader de demain, tout bon, pour c'est pas leader pour rien, eh ben, faut que, vous-même, vous commencez à maîtriser le dossier. Donc, avant même parler de discours, et président, étant donné que Haïti a fait actualité, donc, c'est tout à fait normal, le président lui-même il vient présenter situation dans le pays. En général, l'on président va dans le Conseil de sécurité dans Nations Unies ou bien dans l'Organisation des États américains ou bien dans CARICOM en tant qu'organisation multilatérale. Raison qui fait pour l'ambassadeur, c'est pour l'ambassadeur préparer le terrain pour vous. Elle dit que, avant même que le président vienne, il faut que l'ambassadeur que nous gagnons dans l'institution multilatérale là, ou bien l'ambassadeur que nous gagnons, et si c'est dans le rapport bilatéral, l'ambassadeur que nous gagnons dans le pays côté président Praléa, son bail qui fait 2-3 semaines à l'avance, et bon, ambassadeur, lui-même, il lui commence. Si c'est bilatéral, faut le faire rencontre. Non, pas qu'une institution côté pays a débarqué, côté président Abdinien. Si son institution multilatérale, eh ben, ambassadeur, lui-même, faut la parler avec ambassadeur tout l'autre pays, eh ben, pour préparer terrain dans l'institution multilatérale, là. Premier bagage que l'ambassadeur nous va faire dans les Nations Unies avant le président de parler, c'est le monde qui a coordonné la réunion Conseil de sécurité a vous dit bon, et je dis à ce président nous cap là. Donc en général, le président vini, il y a un droit entre 25 et 30 minutes pour parler. Donc c'est travail ambassadeur pour faire préparation ça. En même temps tout, c'est travail ambassadeur pour garder les pays qui plus intéressé à Haïti. En général, ça relie les pays amis pour aller tout ambassadeur pays ça sous côté pour dire bon. Et bon, c'est des questions qu'a posé sous pays moins et par rapport à mandat parlement qui l'est fini, ça t'a dit, et questions qu'a posé sous situation sécurité pays a, questions qu'a posé sous élection, questions qu'a posé sous mandat président, et toutes questions ça. Donc ou l'ambassadeur et vous avez une belle machine, le bol belle caille, belle salaire, c'est pour faire travail pays a. Donc ça est premier travail qui doit faire là. Donc faut aplanir terrain, non seulement on va le bouffer tout ambassadeur parce que ou même capitaine de là ou bien doit avoir qui ça 18, 25 ou 24 ans, peut-être dans le futur, vous allez l'ambassadeur. Donc, depuis qu'il y a un peu qu'on voit si demain matin, vous allez l'ambassadeur. Bien entendu, vous allez faire plus d'études pour comprendre les choses, puis bien toujours. Mais, vous devez prendre tout détail, ça, qui est important. Qu'il y a, les moments arrivés, en général, laissons le président qui a parlé, ou l'ambassadeur, c'est pour négocier le protocole du président. OK? C'est ou l'ambassadeur. Aïe, que l'on président parle dans les Nations Unies, ou gagne 25 et 30 minutes pour parler. Mais si son, juste son ambassadeur d'un pays qui a parlé, il y a à peu près 5 minutes. Si son ministre affaires étrangères qui a parlé, il y a jusqu'à 15, 16 minutes. Donc, bagaille, ça, il faut qu'on ait au début qu'il y a. C'est pas fait cadeau, et bagaille, c'est bagaille qu'on doit qu'on ait. Qu'il y a, c'est une grosse réunion dans le Conseil de sécurité, côté président, vin présenter situation pays a. Mais m'a dit franchement son bon bagage que président a allé parce que bon paquet parle en pile qu'a fait dans la presse même les regarder dans le journal qui sorti à l'étranger bon on va pas du monde d'ailleurs menti mais c'est à peu près 35% qui présenter réalité réelle pays a. Donc les présidents vini il a parlé dans Conseil de sécurité son bagage Nations Unies a fait, il a transmettre li tout partout en direct, donc tout le monde a suivi li. Le bagage président a commencé, c'est comment il était vivre en tant que président année 2020. Le président dit, année 2020, soit année difficile, on boit
pour une opposition destructeur qui a boulé, qui a crasé, qui a brisé. Là, on prend un bord violence négio et on l'autre bord violence maladie, pandémie, qui est le coronavirus là, eh bien, il fait année à des difficiles. Parce que un bord, pour pas oublier, pays là, l'écrasé presque pour 2 milliards 450 millions de dollars américains, il fait nous perdre 80 000 jobs. Coronavirus là, il fait nous perdre 1 milliard de dollars américains avec 45 000 jobs. Donc, année a été difficile. Le président a expliqué, en tant que président pays, il était pris en responsabilité la main pour pandémie. C'est pour ça, dans le mois de février, les pandémies apparaissent sous nous. L'État commande 473 tonnes de matériel médical. Deuxième bagage que le président a parlé, c'est qui Jean lui-même peuple a été choisi dans l'élection. Le président a expliqué clairement que vous prenez l'élection faite l'Igéel, mais vous pétez coquin, mais vous gâtez, vous annulez les résultats de l'élection, mais l'opposition mettez président Payo, Joslem Privé, vous mettez gouvernement Payo, à tout président Payo et gouvernement Payo, le président dit fait peuple la confiance, il retourne dans l'élection, le peuple a voté, même Mounan qui est président Jovenel Moïse. Expliquez comment le pétez serment le 7 février, comment vous avez le résultat le 3 janvier 2017, le pétez serment 7 février 2017 pour un mandat à 5 ans, qui a fini en 2022. Il rappelait Conseil de sécurité a que l'élection ça a qu'il était participé là-dedans. Non président qui passe dans le camp politique, c'est respecter les standards internationaux. Et c'est une présence organisation des États américains pour observer l'élection, présence Nations Unies qui était là tout pour assistance technique. À l'éduquer, rien qu'il gagne, il sorti une élection propre, une élection qui sentit bon, et peut placer le vote tout bon. Je dis à, ou que t'en retomber discours, parce que pour me dire ça, bon. Moi, jeune garçon, faut faire attention. Moi, tout monsieur s'assoit, moi, malheureusement, je bouille, la bouille sous côté. Ouais, Dimitri Vob, debout, elle prend les classements, nous, nous, malheureux, 16 ans avec vous, pour faire sauter l'aide. Pour le montrer que c'est lui-même qui a payé. Maintenant, monsieur fait un tweet, c'est qu'on peut faire un doit estimer à travail pour monsieur. Maintenant, je vais dire que c'est mon salem de tweet ça. Soit un tweet, monsieur fait comme si c'est lui qui voyait, fait un doit estimer qu'il s'est resté avec lui. À critiquer le discours dans la radio, sur la radio Caraïbes et dans la radio Métropole. Prenez pas attention, hein. Dans son jeune garçon qui a plevé tête ou, ou a baissé campé tête ou, gardez les goûts, ou était loin, oui. Nous avons Dimitri Vobte fait, et artiste carnaval, au même genre, que n'est-ce qu'on baille comme lui, nous c'était sali au même genre. Moi, j'étais fait ça avec artiste carnaval. J'étais fait ça, un paquet de l'autre monde qui était dans le mouvement Haïti, nous voulait avec lui. Donc, dame qui était corrigé, caïm, c'est pas. Qui sont délinquants, bourgeois délinquants, comme si ils étaient dans le kidnapping, dans tout le monde depuis 2002. Et personne ne dit non. N'importe qui doit lire les livres là. Les zombies fous, sont les masqués qui t'appartiennent à l'écrit, qui sont responsables d'identifier tout bourgeois qui était dans le pays d'Haïti. Vous mettez monsieur dans le livre comme volet et comme les cap tout le monde depuis 2002-2003. J'ai son chef gang qui est plus mal qu'écrit pour le bras. Donc, même son aide pour jeunes garçons émergés pour ça. Pour Fernando estimer faire attention qui est-ce qui vaut la mission. Ça nous pas prendre la main. Donc, moi-même, ça a comme des villes là. Donc, moi-même, pour moi-même, discours, c'est, lui, il y a un parti, lui, soit regarder l'article, le Figaro, fait Jodia, ou est-ce qu'on a un article qui balance, il y a deux, trois autres journaux. Bien entendu, il y a des gens, c'est militant, mais il y a des autres gens, tout. Faut pas oublier, il y a des intérêts en jeu. Elle dit que, presque négatif en Europe, là, pour qui ça négatif comme ça. Parce que le président fait une réforme dans le gaz là. Il y a un président qui a 500-600 millions de dollars à l'année dans le gaz là. Dans le moment pandémique, pas de compte dans le monde là. Il y a 600 millions de dollars en Haïti. Et le président lui-même, il n'y a pas de problème. C'est le peuple là qui le doit. Le président obligé de réformer le gaz là. Vous savez qu'on vole l'État 240 millions à l'achat. À la vente, il y a presque 300 millions de dollars à voler. Donc c'est normal que le lobby pétrolier français, qui est différent des gouvernements français, mais n'est pas fait lobby pour parler président mal. N'est que 52% marché, le pétrolier haïtien au contrôle. On pense que n'est pas arrêté le fait 400-500 millions de dollars en Haïti, il va arrêter le gado comme ça. Le président lui-même, les bonnes responsabilités, première responsabilité président est par rapport à peuple. Peuple vivons là, peuple vivent pays là, peuple vivent pandémie, et puis pendant que peuple vivent, président va quitter ou chousser peuple là, il dit comme ça. Nous gagnons dans la Tibonite, côté affaires marchand, c'est bandit qui a crasé. Côté pagé l'école, yo brûlé marché, yo brûlé mairie de Gonaïve, yo brûlé ambulance. Mais, je pense que, il y a un pile de monde qui pensait depuis yon l'on met, non yu il a torti, c'est un coup, c'est un esprit, automatiquement, ou l'on met non yu il a torti, c'est que ça veut dire ou interpellé. Non. Nous dit, je dis, si pagé l'école, pagé tribunal, dans ville Gonaïve, c'est cause yu il a torti.
parce que Yuri la torti a mis deux jeunes garçons dans quartier populaire pour faire abattre entre eux. Nous-mêmes, militants qui bataille pour pouvoir, nous dit non, ça pas qu'à faire. Et je vous dis, si ma chambre yo a fait abraser, yo pas qu'à le vendre, si chou yo, si carotte yo, a gâté dans mes yo, chaque soir, bandit avec zam, sous moto, a marché, tiré, sous groupe moun qui campait. Je vous dis, nous dit président, c'est pour le mettre grand monde sous lui, pour le gérer pays. Parce que, qui problème n'est pas gagné, c'est neutraliser Jovenel Moïse, neutraliser tout nègre qui soi-disant dit aux opposition. Quand vous l'avez pris maître Renaud Georges, c'est parce qu'elle dit qu'on est président Jovenel neutralisé. Zoki qui président Jovenel neutralisé. Yuri la torti qui soi-disant dit c'est maître la Tibonite. Et m'kon la Tibonite pas gagné maître. Journée aujourd'hui, on a dit président pour le mettre grand monde sous lui, pour le gérer pays. Nous même dans la Tibonite, nous avec elle. Parce que autre jour, quatre ça qui sont fait là, même les Jovenel t'a gagné. T'as payé on mouna un dollar pour moun qui te débarqué dans 5,50 m, Yuri la torti, président pas ta fin paye yo. C'est là pour président, ouais. Population Gonaïve la avèl, population la Tibonite la avèl. M'a dit président, tout ça que ou promet, si t'es de l'indépendance là, faut bayol. Parce que, et pas peuple là qu'en face ou, c'est seulement Yuri la torti, à petit groupe et bandilio qui avèl. Après ça, pas gagné rien encore. Tout peuple Gonaïve avèl. Nous-mêmes, en tant que coordonnateur Front National des organisations de résistance en Haïti stable démocratique. Dans la logique pour nous continuer à gommer pour stabilité et la paix, comme pour Jean Mounio toujours dit, vivez la paix, prépare la guerre. Meilleure attaque, meilleure défense, c'est meilleure attaque. Nous-mêmes, matin, nous venons encore. Pas pour nous voir monter ta couille. Ça zot tu as fait. C'est pas pour intimider moun. C'est pas pour faire moun peur. Mais pour dire la vérité. Auteur qui écrit Bible là. Il pas écrit pour celui qui toujours appelé pour moun comprendre. La Bible écrit mais Bible a vienne distribuer comme des moun qui relè la Bible. Il expliquait, il parlait de histoire des Juifs. Il y a des gens qui disent, qui ont la Bible dans la main, pasteur, il m'a dit chaque fois, pasteur après le verset, il dit, prends la Bible nous, allez dans tel chapitre. Eh bien, c'est même genre tout. Constitutionnaliste, ou du moins, législateur, constituant, ils ont écrit constitution, ils ont écrit une façon pour les gens et comprendre nous. Les pasteurs ont besoin de faire gros collecte. Ils ont allé dans le chapitre qui parlait de dîmes. Mais combien qui attire que nous mettons ça, la Bible dit, qui fait faut coupoter l'argent par les pasteurs. Parce que le chapitre ça, lui intéresse les pasteurs, lui chita sous lui. Ces mêmes gens, ils ont un avocat qui est au tribunal. L'appli code pénal, l'allé dans l'article qui est à oué à intérêt. Pour le montrer, magistrat, c'est vrai que vous avez client qui a volé, mais l'allé cherche un article pour prouver l'innocence client. Mais le juge là qui a bon sens, il connaît avocat pas qu'à pour un article qui pas en faveur. Le juge là qui sage là, qui modeste là, l'allé gardé, il prend le code là pour le dire tout. L'allé au Québec, monsieur, dans volé, qui ça pour me faire tout? Pendant toutes ces maintenant, les grands avocats, les grands intellectuels, les gens tellement voyagé, y a l'université Harvard, y a l'université New York, y a l'université Cela, pour yo interpréter constitution pour yo. C'est comme si le fait que vous soyez professeur université, ça fait un législateur. Yo professeur université, yon avocat, ça parfois avocat législateur. Avocat là pour l'appliquer, ça législateur a été écrit. C'est législateur dans la vision, dans la pensée, dans la projection pour l'avenir. Il connaît, il écrit tel article, maintenant qui optique, il écrit tel article. Ou même là pour seulement appliquer. Eh bien, pour l'histoire, pour la vérité, des gens
qui prend la rue. Moi regarder dans télévision. Moi entendre dans radio des deux monde qui prend la rue qu'elle manifester pour dénoncer la dictature, pour dénoncer de facto. Ils ont même allé plus loin pour y organiser ça le tribunal populaire pour juger président Jovenel Moïse par rapport à des actions qu'il a entreprises. Cependant, même Mounsayo, quelques années plus tard, il a fait partie du gouvernement de facto. Jocelyne Privé, c'était un gouvernement de facto qui a gagné regretté de mémoire Marie, Liliane, Pierre-Paul Charles, c'est secrétaire général là-dedans. Babier, c'est secrétaire général Palais National, le gouvernement de facto. Jean-Monnet Metellus a construit plusieurs chaînes d'appartements dans le Piblin avec sac l'argent qui sortit dans le pouvoir de facto. La Cour Kiske a construit avec l'argent qui sortit dans le pouvoir de facto. Et je vais lire l'article là parce que je ne vais pas émouter les moins ma parole. Je vais lire pour nous tout le temps. Vous qui avez caméra, je vais le payer. Nous avons pris la Constitution dans l'article 149. Article 149 de la Constitution amendé que l'opposition revendique, réclame, que je dis à eux, ils ont boumé avec lui. Ils ont boumé pour lui. Tout le monde prend l'article 149 pendant qu'on regarde la nouvelle là. Elle prend 49 là pour voir comment monsieur dans l'opposition qui te fin jouit ton pouvoir de facto. Et puis je dis à ils ont utilisé tout type de fiches, toute manœuvre fallacieuse pour défendre, pour dire, je dis à président Jovenel Moïse, son gouvernement de facto. Jovenel Moïse, en tant que président de la République, il n'est pas un président de facto. C'est un président constitutionnel, conformément à la Constitution à manger. Nous allons lire l'article là pour tout le monde entendre, parce que nous avons lu tout article, mais nous parlons de l'article, ça, nous parlons de ça pour tout le monde. Qui cet article là dit? Article a dit, article 5, Constitution amendée. Article 149. En cas de vacance de la présidence de la République, soit par démission, destitution, décès, ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanent dûment constatée, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection d'un nouveau président, de notre président. Dans ce cas, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République, pour le temps qui reste à courir, lui est 60 jours au moins, 120 jours au plus. 120 jours, c'est 4 mois. Jocelyne Privé était président légal pendant 120 jours. 8 mois qui en dehors de la Constitution amendée, c'est 8 mois dictatif, 8 mois de facto. Jocelyne Privé est un président de facto. Or, tout le monde a servi un président de facto. Lui dit, dans ce cas, où la vacance produit à partir de la 4e année du mandat présidentiel, l'Assemblée nationale se réunit d'office dans les 60 jours qui viennent, qui suivent, la vacance élit un nouveau président provisoire de la République pour tant qu'il reste à courir. Ça veut dire qui ça? Je dis à Nega parler cassation, il y a le point juge de cassation, 3 juges. Je dis président Jovenel violer, interférer dans le pouvoir judiciaire. Alors que ce n'est pas président Jovenel Moïse qui interfère dans le pouvoir judiciaire là, mais c'est le pouvoir judiciaire qui interfère dans le pouvoir exécutif. Calme le président de yon, qui monte le gouvernement yon, et puis cap 7 février, pendant le mandat président Boko fini, pour installer le président de la Cour de cassation. Alors que dans l'article 179, Constitution amendée, il dit clairement fonction juge pour cassation, ou bien un juge. Fonction juge là, il parle l'autre bagaille. Il dit les fonctions de juge incompatibles à toute autre fonction
salarié, sauf celle enseignement. On juge pour cassation, on juge pas seulement enseigner, professeur. Est-ce que la présidence, c'est pas lorsqu'on est élu, on met au président, on va payer, et pas au salaire, on vient. Voilà que je dis, tout le monde qui finit faire recobio dans la transition, pouvoir de facto, parce que Privet a gagné 4 mois pour faire élection. Parce que si Privet fait élection dans 4 mois, messieurs, dames, dans la même année, le président a entré en fonction. Mandat président Jovenel a fini 7 février 2021. Si Privet est respecté. Mais c'est messieurs, dames, opposition, qui tout prend pouvoir pour 1 an, ils fait record, ils ont multimillionnaire la donne, ils prend le kounya là, ils ont tellement de bagarre bon, ils prend la rue, ils ont douille à balle. En ce sens, à cet effet, nous-mêmes, en tant qu'organisation Kabou, nous sommes machine mafia. Nous prenons Gédéon Jean, que en plus nous avons ceci, cela. Gédéon Jean fait l'État haïtien perdre 100 millions de dollars dans le rapport pour annuler l'élection. Je dis à Gédéon Jean, parce que dans toute bagaille, il faut que ça ait l'éthique, il faut que ça ait le sens et mou, la sagesse. Ou même encore tenir un rapport pour demander annuler une élection, et puis je dis à on parle de l'élection 2015. Et puis, où tu dois assumer, où tu dois défendre le droit. Eh bien, Gédéon Jean te mou ton bagaille avec l'agent Boulos, Dimitri Vob, pour te organiser un tribunal populaire pour juger les actions. Pour juger ensemble d'action, président Jovenel Moïse peut entreprendre, parce qu'il dit, mettez de l'eau, mettez courant, faire route port de paix, faire route ceci, c'est un crime, il faut que vous jugez président Jovenel pour être ça. Pour être ça, vous mettez campé un tribunal populaire pour juger président Jovenel. Eh bien, nous-mêmes, en tant que militants, mais ça nous décide, je dis, nous avons une décision, tribunal, oligarchie populaire, mettez sous pied, côté qu'à utiliser des nègres dans la classe moyenne pour goûter avec nègres dans la classe moyenne. Nous-mêmes, nous annoncer, nous déjà pour parler, nous allons mettre campé, et dans ce cap vidéo, il y a un coup d'appel populaire. Ok? Nous allons camper, il y a un coup d'appel populaire. Coup d'appel populaire, il y a un juge, il y a 3 juges qui font proposition, il y a un commissaire gouvernement coup d'appel, et il y a un plaignant, et il y a des gens qui représentent Gédéon Jean par devant la coup d'appel populaire. Pour nous casser décision mafia, délinquants qui te réunis en dehors hôtel Le Plaza pour aller faire tribunal populaire contre nos présidents élus. Eh bien, nous-mêmes en 2004, nous t'ai fait coup d'appel populaire. Coup d'appel, nous t'ai fait tribunal populaire, pardon. Le tribunal populaire nous t'ai fait en 2004 là, c'est que nous t'ai pris des faits. Et faits ont été réels, ils ont été visibles, ils ont été palpables, tout le monde t'a vu. Et c'est sous base ça que nous avons constitué ça le tribunal populaire. Mais nous n'avons pas constitué le tribunal populaire contre Jean-Bertrand Aristide parce que Jean-Bertrand Aristide a fait route. Nous avons constitué le tribunal populaire parce que nous avons estimé, nous avons établi tout faire. Et bien, Jean-Bertrand, l'équipe la balance, a tellement reconnaître que l'action que nous avons fait était fondée, nous n'avons pas attaqué décision par nous, par devant coup d'appel populaire. Mais nous-mêmes, étant donné, nous ouais et nous constater. C'est l'argent Dimitri Vob payé pour organiser le tribunal populaire Payoa. Pour être ça, nous-mêmes, nous avons gagné 520 organisations populaires qui ont sorti différents côtés dans le pays, qui ont vu constituer le tribunal ça et assembler ça pour gagner un procès en bonne et due forme en présence de la presse pour que nous cassions la décision oligarchie utiliser deux mounes en deux classes. Pour underclass défavorisé, ou du moins underclass moyen, non, pour venir constituer tête, pour juger le président Jovenel Moïse, eh bien, nous déjà annoncé la presse, pour aller gagner un tribunal, un coup d'appel populaire, qui prend le temps de verdict, cap sorti, dans le tribunal populaire, que l'oligarchie a été campé, pour que nous-mêmes, nous capables de passer décision ça, pour l'histoire, pour la vérité, parce que, tant que je nous dis, question bataille, l'on prend une aide, pour pasteur Gérald Bataille, cap bataille pour tête. Gérald Bataille a bataille pour tête. Qui plus gros crime qui gagne lorsque vous utilisez la Bible pour porter sa relè offrande et dîme. Messieurs, dames, la Bible claire, il dit comment on peut bailler dîme. Ou bailler dîme sous son rentre, 10% sous son rentre.
Ou rentre 100 gouttes, ou paye, ou à l'église, ou baye 10 gouttes. Mais faut qu'on pas dans place, il faut pas annoncer des actes. Faut pas passer des batailles. Vous comprenez? Faut pas passer des Gérald Bataille. Est-ce que tout le monde connaît là, Gérald Bataille, que yon prenne abonoré là, te déporté aux États-Unis pour battre femme? Est-ce que nous connaissons Gérald Bataille, son équipe déporté aux États-Unis pour violence la fait sur femme aux États-Unis? Est-ce que vous avez des gens qui la connaissent, Gérald Bataille est avec Aristide? Non, voix me voyait Haïti monter, que vous volez l'argent voix me non. Je dis à ce Gérald Bataille ça, qui prend l'église protestante pour faire choix de bataille, pour Vingoumen, pour Libanais, pour Syriens. Est-ce que nous pouvons accepter ça? Nous pouvons accepter. Et nous dit Gérald Bataille, n'a réfléchi pour nous connaître nous-mêmes, 28 février, comment nous pouvons participer dans la manifestation Gérald Bataille là. Gérald Bataille, le 28, nous tous dans la manifestation, nous allons descendre pour nous manifester avec Gérald Bataille. Parce que je me dis, lui Pézadje, bon, l'éternel pas voyé au vin du président. Ou du président, l'éternel pral kokobo, oui. Pézadje kokobe. T'es qui Chavanjen qui te dit c'est bon Dieu voyel à travers tout côté, vin président. Il va menti sous bon Dieu kokobe Chavanjen. Mais Gérald Bataille, ou prend route pour kokobe dans son cabinet. Parce que l'éternel dit, ou pas qu'à mettre avec bandit criminel. Pour venir dire qu'on défend la démocratie. Tout le monde qui est là, qui a bataille là, je finis pour me dire. Tout le monde connaît que le paquet qui compose l'opposition là, c'est des criminels notoires. Et moi, je parle de la démocratie. Et je ne parle pas de la démocratie qui a tribunal là, je finis de me. Parce que je suis preuve, je suis dans la réunion, je connais ensemble de la bagaille qui a fait. Il tout le paquet qui nous là, connaît. Base côté kidnapping dans sorti, comment est-ce qu'il utilise voie kidnapping comme arme. Je dis à nous déplorer quand c'était moun, maman, papa, petit, qui a crié dans le bagage kidnapping ça. Tout le monde connaît son âme politique. En 2005, il a fait. En 2005, il a permis de préval pour le pouvoir. La balance du mien à kidnapping. En 2021, il a besoin de jeter Jovenel, il a fini avec kidnapping. Et puis nous-mêmes, qui étions témoins, comment on a crasé Mette Radio, ça qui a passé dans le pays, et puis je dis, parce que Jovenel a parlé de démocratie, il a parlé d'élection, référendum, il a parlé de l'eau courant, pour le monde vivre l'autre jour. Et nous prenons la rue pour nous traiter Jovenel de dictature, pour nous faire mon paix. Eh bien, je finis pour me dire, moi-même, je dis, mon Dieu, merci, président Jovenel, pas aller 7 février. Parce que si président Jovenel te décide d'aller 7 février, moi-même, je dis, pays, devant bon Dieu, ça n'est pas boucan, ce n'est pas yon qui a mangé. Parce que par contre, ça qui prépare dans le pays. Et nous disons, nous avons traîné le pays à nos routes. La presse, c'est nous qui importons, nous c'est voix, nous c'est le pays. Nous avons traîné le pays à nos routes. Nous avons traîné le pays à nous pour entrer la donne si vous parlez. Si vous refusez la démocratie, eh bien, vous pouvez l'accepter vous-même. Si vous refusez l'élection, vous pouvez l'accepter vous-même. Parce que la constitution a demandé ça, par aucun côté, vous parlez de transition. Démocratie, pas marche à transition. Démocratie marche avec élection, l'alternance, le pluralisme politique. Démocratie, pas marche avec pensée unique. Oh, de vous voulez Jovenel, pas pour mourir. Vous voulez ou pas voulez Jovenel. Moi, je voulez Jovenel, moi, je dis encore. Pas jamais de 86, à des batailles. C'est bataille à pied. Et je voulais que nous connaissions. C'est bataille à pied. Pas de 86 pour nous courir, Zam dans mes courir. Non, à des batailles. Ou bien nous accepter la démocratie dans l'élection que le meilleur gagne. Dans cette mission qui s'est mettre disponible, matériel, opérateur, chauffeur, etc., disponible pour que le travail infrastructure capable de faire à travers le pays, tant qu'on a fait dans la CUL, tant qu'on a fait dans Port de Paix, tant qu'on a fait dans Montchien, tant qu'on a fait un peu partout à travers la République. Là. Jodi a CNE rivé la caille Moun Kwa Bosal, nous poter fouillot des matériels qui permettent d'arriver à faire assemblage de déchets, travail qui va faciliter nous-mêmes, CNE qui gagne gros matériel, parce que le déchet sous chaussée n'a pas assemblé, ça mettait nous dans l'incapacité, dans l'impossibilité pour que nous fassions un travail fini. Parce que nous-mêmes, nous avons un gros matériel. Jodian, nous décidons de venir là dans Kwa Bosal, taille directeur marché Kwa Bosal, et nous porter Bali
yon vingtaine bourrettes, yon vingtaine balais, yon vingtaine pelle, yon vingtaine râteau. Matériel sa yo pral rendre travail nous beaucoup plus facile dans zone la saline en dedans quoi Boussal, parce que directeur à partir de matériel sa yo que nous porter pour quoi Boussal là, li vinn gen matériel nan mel pour le sembler patra. Li vinn gen matériel nan mel pour que li prend patra en dedans marché a sembler dehors et CNE lui-même l'a vini avec équipement, loader, bobcat, camion et enlevé. Je dis, la présence sont là encore, c'est une preuve côté que nous venons dire. Question fatra dans le pays a son problème sérieux. Et son problème pour que l'État aborde en profondeur. Parce que moun pa ka vivre dans Patra, moun pa dwe vivre sous Patra. Et c'est ça que fait CNE, en tant que institution étatique, nous prend responsabilité nous pour nous attaquer Patra, quel que soit côté lié. Jodi an nous là, nous là, Kwa Boussal, semaine kap vini, nap non l'autre quartier, ok, côté nécessité a fait sentir et côté population a fait appel avec nous. Et distribution ça que nous vin faire jodi an là, dans Kwa Boussal là, c'est pas seul dans Kwa Boussal n'a fait. Nous gain pour nous faire sous Bel Air, nous gain pour nous faire Martissan, nous gain pour nous faire Cité Soleil et nous pral faire spécialement dans tout quartier populaire côté que moun yo gain problème avec Patra, côté que moun yo gain problème avec Glo, mais malheureusement, yo pa gain un petit bourette, yo pa gain pelle, yo pa gain rien dans mayo, mais CNE pral mette pelle ak bourette disponible pour tout moun dans le quartier populaire. Pour tout pour nettoyer zone yo m'a prêté voir toute marchande toute businessman pour me dire merci à DG Kington parce que promesse non les respecter dès le début nous t'ai parlé sur ça coordinateur Antonio et tout opérateur CNE qui t'ai engagé yo mettre le week-end yo vinn là yo porter mes portes yo ba nous pour travailler ça t'ai réussi ceci nous pas oublier remercier tout la mairie de Port-au-Prince parce que des fois là où vini là, yo toujours accompagné nous tous. Parce que support pas été important pour marchand yo. Là n'tap garder pour nous dans rue Macajou, dans rue Timas, c'est bon ensemble de patra qui t'a sacarié zone non, mais grâce avec la mairie de Port-au-Prince et CNE la Caillou pour les projets ça qui déjà qu'ils tombent dans sa situation en début de mode de grève là et que l'association magistrat haïtien a été lancé en tant que responsable criminel là. Donc effectivement présent au tribunal là, donc c'est en tant que responsable tribunal là, mais pas gagné activité grève là et à 90% grève là grève là gagne impact sur le tribunal là et que il y a une disposition qui pourra le plus rapidement possible pour justiciable capable de faire un service aux besoins au niveau du tribunal de paix. Raison qui cause aujourd'hui à que me déplacer en qualité d'avocat. C'est parce que depuis la semaine passée, mon client m'a coupé, m'a souffri dans le commissariat de Bouquet. Je dis à m'a obligé de faire le devoir de me présenter au tribunal là pour me dire ouais, est-ce qu'effectivement il y a un juge qui siège en plein impact sur le fonctionnement de la justice parce que les détenus n'ont pas qu'à présenter devant le juge naturel. En plus, il y a souffri. Et nous-mêmes, avocats, nous souffrons tout. En raison, nous avons clients, nous avons dossier client, nous n'en nous. Nous avons dossier client, nous n'en nous. Grève là, depuis l'été, il a commencé. Ça veut dire que nous-mêmes, ici, nous avons payé les conséquences en plus. Parce que les hommes là, ils ont un mandat, ils ont un café. Donc, là, ici, au tribunal, c'est sous tribunal là. Là, ici, au tribunal là, tu es passé avec grève tribunal là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mandat. Ça veut dire pas un tribunal, ça veut dire qu'ici, ils souffrent en pile, avocats souffrent en pile. Et prisonniers aussi, tout souffrent en pile tout. En ma qualité de juge titulaire, et il y a plusieurs associations magistrats qui observaient un arrêt du travail. Nous autres, et du côté de ce tribunal, et nous dans le tribunal là, côté que nous venons, et il y a deux cas urgents
en ce qui a trait surtout à la liberté individuelle, nous ordonnons le droit, juste pour nous capables de bailler service à eux. Type de cas que nous avons cité là, parce que nous avons permanence, en temps utile, et nous avons toujours sollicité la présence de juge pour des cas urgents. Il y a accident, parfois il y a assassinat. Donc, nous autres, en tant que respectueux de la loi, nous toujours à même juste pour nous bailler service à ce niveau. Tout simplement, et les associations et des magistrats, donc jusqu'à présent, nous pour autant dit qui s'accueille. Nous dit. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.